fatigué, casse pas les coins, je te pèse ta merde. Mais couille, je m'en ai arrivé, hein. Mon nègre, hein? T'es une mopute. Comment ça une mopute? Arrête de faire des on the flux. Déjà tu vas bien parler parce que les on the flux ça fait genre ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps que je suis plus sorti? Ah ouais. Bon bah c'est parti pour le on the flux numéro 4. Slalom dans les tunnels, conduite de criminel. Tu veux du sensationnel, rase-toi les yeux, je perce tes prunelles. Alors tout d'abord désolé d'avoir pris autant de temps pour sortir ce on the flux. J'ai fait plusieurs essais, j'ai voulu faire un sur Skrillex, là je me suis mangé faux plan sur faux plan. J'ai essayé d'en faire un sur Soolking. Pareil. Après un moment ça me cassait les couilles. Mais quand je réfléchis bien, il y a un sujet que je ne vous ai jamais parlé. Et en gros moi durant toute ma jeunesse, ouais je t'ai cru t'avais 50 ans fils de ta gine. J'étais un bousillé de electronic dance music. Je suis un fanboy de certains artistes, Armin van Buuren, Afrojack, Deadmau5, Skrillex. Je vous aime. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire un On The Flux sur ces grands noms à qui je pourrais leur... Ta gueule, sale PD. Mais avant ça j'aimerais faire de la pub pour un pote à moi en fait. Il y a un compte Snapchat qui m'inspire de ouf. Ça s'appelle SatchTV, S-A-T-C-H-T-V. Il y a vraiment toutes les vidéos drôles, les mêmes passent par ce compte Snapchat. Voilà, si vous voulez vraiment déconner, SatchTV, je vous mets le snap code juste là. Bref, passons au chapitre 1 qui sont les mélodies. Alors comme le dirait l'autre clochard, ton contenu c'est de la merde, j'ai des remixes qui se loupent. Donc ce que je vais faire c'est que je vais leur prouver le contraire. Pour la première mélodie je pense à faire un truc un peu dans le style à Basto, avec un son un peu dub, un petit soul en lead derrière, une petite basse. On va vraiment partir sur un délire à la DJ Snake. On va faire un truc atypique et bien sûr un côté un peu dubstep bizarre à la Skrillex. Maintenant qu'on a tout ça, passons à la deuxième partie. Alors pour la deuxième partie c'est simple, limite tu veux pas te casser la tête, il y a des tutos pour faire des beats un peu house électro. Et tu changes un peu, tu mets d'autres sons et à la fin t'obtiens un truc qui... Mais comme apparemment ton contenu c'est de la merde, j'ai des remixes qui se loupent, je vais changer pour la deuxième partie du refrain. Je vais essayer de faire un truc un peu plus caliente, tu vois, reggaeton, mombaton, pour que ça donne ceci. Pour le sample, rien de plus simple. Ça fait longtemps qu'il y a une voix qui m'a tilté dans ma tête. Bien évidemment au niveau des effets, donc j'ai mis de la reverb. J'ai utilisé le plugin Gross Beat. Et via ce plugin j'ai réussi à le pitcher vers le bas, le pitcher vers le haut, ainsi que faire des coupures nettes. Maintenant qu'on a la mélodie, les percussions, le sample, vous savez ce qu'il reste à faire. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Dis-moi en commentaire quel artiste tu veux que je fasse le prochain On The Flux. C'était mon On The Flux. Je vous aime. my